Dans le monde des pêcheurs, Ange Porteux est à la fois un mythe et un modèle. Installé dans le sud Finistère, il vient de fêter ses 100 ans. Son métier, c'était cordonnier. Sa vie, c'était la pêche au lancer. C'est un plaisir de pêcher à la canne. C'est bouger, c'est faire de l'exercice. C'est pas d'être assis sur un tabouret avec une bouteille de rouge et puis les cannes qui sont tendues, c'est autre chose. Ah, moi, je me vois pas pêcher autrement qu'à la canne. Au lancer. Je dis toujours ça, là. Quand je suis vieux, je changeais de principe, mais non, non. Pour l'instant, ça va toujours. Alors, je continue. Chanter, chanter est une chanson que fredonnaient deux autres compagnons. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine. Ça les emmerde dans la vie. Eh bien, il va à la pêche et il oublie tout. Jeune, il avait démarré en rivière par le brochet, la carpe et le saumon. Puis, la pêche en mer le rattrape et il forge sa réputation de grand spécialiste du bar. Alors, il finit par se dire que les appâts sont perfectibles. Il construit son atelier pour créer ses propres leurres, qui très vite deviendront une référence incontestée dans tous les bons magasins spécialisés. Là, j'arrive dans l'atelier. Ici, on est dans la fabrication et la décoration, avec tout le bois que j'ai ramassé pour faire tous ces leurres qui sont là. Alors, les poissons hélices, j'ai fait ça il y a très longtemps avec la maison Rago. Il m'avait téléphoné un jour pour me demander. Alors, je lui avais fait des modèles, le même modèle que vous voyez là. Ah, ça a été un succès à l'époque. Il en a fait des milliers. Moi, quand je suis à la pêche, mais j'ai l'ordinateur là, il travaille toujours parce qu'il est toujours en train de se demander qu'est-ce que je dois faire pour le rendre plus performant. Je suis toujours en train de demander ça. Quelquefois, je suis à côté de la plaque, mais il y a des fois, ça, c'est bien. Depuis l'âge de 12-13 ans, à venir jusqu'à maintenant, mon seul plaisir, c'est d'aller à la pêche. Vous me proposez d'aller passer un gueuleton formidable, tout ce que vous voudrez. Moi, je préfère prendre mon petit casse-croûte et puis aller à la pêche que d'aller faire la Java. Véritable légende vivante, Ange Porteux aura 101 ans en novembre prochain. Et toujours, il pêche et il repêche.